Allô les petits copains. Coucou les Bubble Fans. Hello Athéna, coucou Calice, comment ça va aujourd'hui les filles? Ça va. Alors aujourd'hui, on va faire une chose très spéciale avec le taureau gonflable. Exactement. Donc là, pour cette vidéo, c'est un challenge rodéo. Alors, j'ai jamais vu ça, rodéo, mais avec un taureau gonflable qui va dans l'eau. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un taureau gonflable. Donc comment ça marche? Regardez, il y a un taureau mais avec, qui n'est pas forcément sous l'alimentation. Regardez, il bouge énormément. Il n'est pas solidaire de la bouée, on va dire, autour. C'est-à-dire qu'il y a un de vous deux qui va monter dessus. Et l'autre, il doit essayer de le faire tomber. Voilà, puis moi, j'irai aussi avec vous pour essayer. Et par contre, quand je mets le maillot de bain dans l'eau, on me fait pas jusqu'à que je mets la tête... Quand je me mets entièrement dans l'eau, par contre, peut-être je vais tomber la tête la première et du coup je vais mettre la tête sous l'eau et du coup peut-être que je vais mettre de l'eau dans les narines. Tu ne peux pas couler déjà, tu as ça. Et en plus, tu as largement pied, l'eau t'arrive ici. Donc il n'y a aucun problème, même si tu tombes la tête la première, tu n'as pas peur maintenant. Donc il n'y a aucun problème. Ce qu'il faut, c'est rester le plus longtemps possible sur le taureau. Athéna, c'est toi qui es la plus jeune, mais du coup, c'est toi qui vas décider. Est-ce que c'est toi qui vas d'abord monter sur le taureau ou tu vas d'abord voir Calice faire? Je vais d'abord monter sur le taureau. C'est vrai? Non. C'est courageuse, hein? Non, je peux pas essayer d'abord. Normalement, c'est pas conseillé. Si je monte dessus et que je le crève, après, on pourrait même pas essayer. Vous pourrez pas essayer. Donc, le mieux, c'est quand même vous qui commenciez. Peut-être qu'après, j'irai, mais normalement, c'est pas fait pour les adultes. Alors, qui commence? Athéna, c'est Calice ou c'est toi? C'est Calice d'abord. Donc, Calice va essayer de monter sur le taureau. Toi, Athéna, tu peux aller dans l'eau, évidemment. Et moi, je vais aussi me mettre à côté, mais de l'autre côté. Et Athéna, on va secouer de toutes nos forces pour essayer de faire tomber Calice. Alors, déjà, on va essayer de tourner le taureau. Tu vois, ça bouge, hein? Évidemment, faut pas céder avec les pieds. Hein. Alors, regardez comme il est beau, ce taureau. T'as les poignets pour essayer de secouer. Alors, c'est pas un placement de produit, hein. On l'a acheté, je précise. Voilà, c'est important. Mais c'est pas commencé, Athéna. Non, c'est pas commencé. J'arrive, je vais t'aider. Alors, c'est pour s'amuser, évidemment. Waouh! Ça rafraîchit, ça fait du bien. Alors attention, est-ce que t'es prête Athéna? On essaie de la faire tomber? Ok. Attention, t'es prête Calice? Oui. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, et rodéo! Aquatique, c'est parti! Athéna qui peut couler en fait. Alors, au montage, je verrai combien de secondes tu as tenu. À mon avis, tu as tenu à peu près 15-20 secondes, peut-être à peu près. Athéna, bien? Ouais. C'est bien ou pas? Non, ça va. Athéna, à ton tour d'essayer. Attends. Allez. En fait, c'est ça la véritable épreuve. C'est ça, c'est monter sur le taureau. Ah, c'est une petite vidéo sympatoche aujourd'hui. Avec un petit cadeau à la fin, inédit, vous allez voir. Voilà. Pour toutes les deux, hein. Il n'y a pas de gagnante, il n'y a pas de perdante, même si. La perdante, ça sera peut-être Calice. Ou Athéna. Ou Athéna, attention. T'es prête, Athéna? Allez, 3. Non, je suis pas prête. D'accord. J'ai un petit café, quelque chose. Allez, 3, 2, 1. On commence doucement. C'est parti, accroche-toi, Athéna. 1. Oh. Ah ben, elle a plus 3 secondes. Bravo, Athéna. Allez, tu essaies encore? Ok. Allez, vas-y. C'était pour s'entraîner, on va dire, pour Athéna. T'as tu te tiens bien cette fois? Allez, 3, 2, 1, et c'est parti pour Athéna. 8-9 secondes, bravo Athéna. À moi. Cette fois, je mets pas de la poignée. Oh, attends. Attends, non, c'est trop dur. Tu te fais des cornes, tu te fais des cornes. Est-ce que t'es prête? Alors, attention. 3, 2, 1, et c'est parti! Oui! Elle tient bien, hein? Bravo! Ah, j'adore ce jeu! C'est trop fun! J'ai envie d'essayer, mais j'ai peur de le percer. Oui! Allons vers pour Calice! Attention! Elle dit en commentaire qui est la meilleure sur ce taureau rodéo aquatique. C'est 3, bon. 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 8, bravo. Je tiens, je tiens. Hey, c'est dur. Allez, Athéna,
En plus, c'est pile poil la taille de la piscine, c'est parfait. Est-ce que t'es prête, Athéna? Attention. 3, 2, attends, je m'arrête là, 1. T'as sauté, carrément. Non, j'ai pas sauté. Ok, hey, 7 minutes pour l'instant, pas mal. Allez, à cheval. Non, à taureau. 3, 2, 1, c'est parti pour la soupie. 15 secondes. Ouais, c'est facile. On va pouvoir vraiment changer de sens sur ça. Je pense qu'on va s'amuser même après la vidéo. Je pense qu'on va continuer de s'amuser. Ça va être trop fort. Fais une dernière manche chacune. Hop. C'est là que ça. Ouais, allez, 3. Non, je vais pas mettre. 2. 1. Elle a plus de secondes. Elle était pas prête. Allez, 3. 2. 1. C'est parti. Attention! Je suis pas prête! Elle tombe toute seule! Voilà! Allez! Allez! 3, allez. 2, 1, allez, allez. C'est drôle ou pas? Ouais. Tu veux que je t'aide ou pas? Non. Alors, Athéna, j'arrive. T'es prête? Non. Oh ben. Elle est déjà tombée. 0 secondes pour Athéna. Allez, monte. T'es plus sûr que comme ça. Allez, on fait un truc. Hop. Ça paraît facile comme ça, mais c'est pas facile. Attention, est-ce que t'es prête à faire la station? Attends, à la poignée. Là. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. C'est violent. Après, il y a des surprises que vous ne connaissez pas. Vous verrez, c'est inédit. Attention, 3. Attends. 1, c'est parti. Ferdinand, hein. Ma copain Ferdinand, lui. Petite promenade digestive. Attends, il est hors de piscine, là. Vous voulez que j'essaye? Ouais, va, il essaye. Allez, c'est parti. J'essaye. Oh bah ça va, j'ai pied. 2. Allez. Ah non, mais ça bascule vachement. Bah oui. Attends, parce que pour l'instant mes pieds touchent le sol, donc c'est facile, je peux faire le zigoto là. Bah non, je touche le sol. Alors je vais mettre mes pieds. Je vais lever les pieds, je vais pas tricher. Parce que j'aurais du mal à les mettre là quand même. Attention, je m'accroche où je peux. Allez, au truc. C'est vraiment d'équilibre. Hein. Attention, vous donnez le compte à rebours. Allez, allez. C'est parti, mets les pieds. J'aurais pas dû rester habillé en fait, c'était une mauvaise idée. Je pensais pas que j'allais tomber, hein. C'est... Eh, mais en fait c'est très très dur, ça bascule très très facilement.
Allez, je essaye encore une fois. Attends, là. Allez, c'est papa. Je te fais à l'envers. Vas-y, à l'envers. Attention. 3. C'est ma 2. 1. Ah. Je suis pas tombé en fait. Youpi. 5, 4, 3, 2, 1. C'est ça le truc, tu vois, je suis en train de m'appuyer sur les fesses de Ferdinand, mais ils sont pas très bons, hein. Ils sont pas très bons, Ferdinand. Ça marche? Eh, ça marche ma technique. Je suis en train d'appuyer, tu vois, je fais l'équilibre en appuyant. Je compense avec mes mains. Mais t'es lourd. Si je me redresse, c'est plus du tout la même histoire. Hey! Allez, dîner, puis essayez de me faire tomber. C'est qui le patron? C'est qui le patron? Allez, vas-y, à plus. C'est fun. Ça va, il est solide, hein. Il est solide en plus. Je crois que vous avez bien mérité. Une surprise, je l'ai pas fait exprès. Allez filles, la surprise, vous allez toutes les deux gagner à ce rodéo aquatique. Là vous avez gagné les nouvelles, la nouvelle saison des Hatchimals Collectibles, puisque c'est la saison 4, regardez, avec des œufs qui sont multicolores, on va dire orange, rose, rouge. C'est très sympa, c'est pour vous, c'est cadeau. Youhou. Oh, pardon. Ça va? Je suis morte, zombie. Ça va, Calice? Oui. Bon, j'ai mal tiré, je crois. Alors, bah, c'est pour vous. Là, ça va, c'est étanche. Mais les os aussi sont étanches. Alors, c'est parti. Le mode d'emploi n'est pas étanche. Non, le mode, oui, t'as raison. Alors, avec les mains mouillées, c'est pas pratique. Le flyer de la saison 4. Merci à Spin Master, voilà, de nous avoir envoyé ces petits échantillons. Et il y en a encore plein à collectionner, plus de 80. Voilà, Hatchimals Collectibles, saison 4, et il y a toujours les dessins animés, hein, tous les vendredis, vers 17h, des fois c'est le jeudi, enfin voilà, en fin de semaine, un nouvel épisode de la première saison des Hatchimals. Oh, oh, c'est trop chou. Il est trop choupinou. Regardez comme il est choupinou. Yes. Oh, tout mignon. Oh, il y a trois formes de cœur. Et hop, je glisse la boîte. Presque. Allez, on laisse Calice et Athéna ouvrir ses œufs. C'est la même méthode, hein, pour l'ouverture des œufs. Voilà, on peut frotter sur le petit cœur pour qu'il change de couleur. Ou on peut voilà, appuyer comme une dingue pour que ça marche aussi. Et puis après, on se retrouve quand c'est fait pour la récapépette avec ce taureau magique. Qui nous a bien fait tomber. Ah ouais, il rigolo ce taureau. Et là c'est le dernier œuf pour Athéna. Attention, qu'est-ce que ça va être? Moi je dis que ça va être un animal à quatre pattes. Moi je dis que c'est un animal classique comme cela. On va voir juste après. Eh bien les 10 Hatchimals saison 4 que vous avez eu. Alors, il y a quoi, Calice? Il y a une sorte de petite grenouille. Ouais. Un petit singe et un escargot. Ça je sais pas trop ce que c'est. Ça, c'est un petit ours, je pense. Un dinosaure. Une limace ou une chenille, je sais pas. C'est un serpent, regarde, ce petit plan. Ah oui. Trop choupinou. Serpent. Ça, c'est un dragon licorne. Non, c'est un dragon. C'est un dinosaure, quoi. Ça, c'est un ours panda, quoi. Ouais. Ça, c'est un petit écureuil, je pense. Ça, c'est un escargot avec sa coquille. Ouais. Ça, c'est petit singe. Et ça, bah, c'est comme lui. Ouais, là, on a eu la baleine. Dès qu'on l'a ouverte, marrant, parce que dès qu'on l'a ouverte, il a sauté dans l'eau. Là, c'est un petit chien. Il est là. Petit. Il nous a échappé. Trop. Et ça, c'est le dernier. C'est le dernier que tu n'es arrivé pas à ouvrir, Dana. Oui. Et il est un tout petit peu transparent. Il au bois ici. Oui, il est trop choupinou. Là, il est un peu transparent. Ils sont transparents, ceux-là. Trop mignon. Bon bah voilà, dites-nous ce que vous préférez en commentaire. Moi j'aime bien le serpent forcément. Ah chut, j'aime bien le serpent, je le garde pour moi. Et vous, vous avez lequel des filles? Moi j'adore petit panda. Moi j'adore ce gars.
Ok, voilà, c'est nos chouchous. Dites-nous si vous aussi, si ce sont vos chouchous, ou si vous en préférez un autre. Voilà. Après, le deuxième, c'est celui-là. Ah, non, ça, c'est un escargot. C'est un escargot, c'est clair que c'est un escargot, celui-là. Ok, les filles. Et ça, c'est un gros taureau. Merci au gros taureau de nous avoir amusés encore une fois. Enfin, pour la première fois, d'ailleurs. Allez, à très vite. On vous aime. Bisous, Calice. Bisous Athéna qui joue avec ses Hatchimol. Bisous petit cœur. Papa, ce taureau est de même. Un bisou au taureau. Allez, à bientôt sur le studio. La belle fille. Bisous à tous. Il y a du soleil. Et on se retrouve très vite. D'ici là, n'oubliez pas. Soyez beau. Soyez bien. Soyez beau. Moi, je vais dévorer les petits Hatchimols. Oh!